Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale les gars, tout simplement la manche retour de Fortnite que j'ai regardé. Tout simplement pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne, celui qui faisait top 1 dans cette game, pas peu importe les kills, celui qui faisait top 1 pouvait tout simplement remporter sa place et ben pour la grande finale des FNCS où il y a 1 350 000 $ à se repartager tout simplement entre les 33 trios. Bref, je vous laisse, je peux vous assurer que vous allez pas être déçus. Mais juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et puis bon visionnage. Du coup là on est sur Nate, Kezix et 4ZR en mid game, donc ils sont 76 et ils ont mis des dégâts, donc, 32 ouais, ils prennent la force. Attention 4ZR qui est en HP. Ou 4ZR qui tombe. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. C'est très compliqué là maintenant. Ouais, ça va être compliqué. Ils sont 2v2 du coup, ils avaient l'avantage. Revenir en arrière là. Ah ça va être chaud là. Allez c'est du 2v2. La bonne balle. Attention Nate qui est ah dommage derrière lui. Nate, il est tout seul. Kezix il va peut-être pouvoir faire quelque chose. En 1v2. Kezix qui a clairement le niveau pour les 1v2. De la jouer. Oh, 1v2 face à deux joueurs qui sont cool et qui viennent de refresh et la balle est 5 HP. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. On va remanger un flopper, hop là. Les splashs qui sont utilisés. Ah la voiture qui le bloque. Ah ouais. On se bloque un peu. Allez, on continue. Faut se mettre des splashes ici. Ah ouais. Bon. Faut chercher le heal blanc. Ça va être très compliqué là, honnêtement, faire un top 1. Du coup, on est passé sur MXR. Donc, pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé sur Knight, tout simplement, ils ont été réanimés, mais ça va être très compliqué pour eux, ce qui ne vaut rien avoir. Ils ont tous été réanimés, donc KZR et Knight. Mais ça va être compliqué. Du coup, on est sur MXR. MXR qui a pour l'instant 0 en dessous de la Storm. 54 en dessous de la Storm. Bonne balle. Oh, ils ont éliminé quelqu'un. Ouh, attention là. MXR qui est dans le mal. Mort. Oh, la petite balle derrière qui passe à travers. Oh, ils ont la zone 50-50. 400 au-dessus de la Storm. Oh. Oh. Là, honnêtement, ils ont une grosse, grosse game à jouer, MXR. Ça va être intéressant de regarder ça. Oh, ils ont oh 3 flops. Oh, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Ils ont la zone. Ils sont full mat. Ils... Oh là là. Ils peuvent faire top 1 là. Ok, là ils sont en fin de zone, du coup ils sont 32 en dessous de la Storm. Quoi, ils sont en dessous de la Storm, mais c'était 400 au-dessus. Ah oui, d'accord, on est 47 en fin de zone. Très 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 stack, forcément. Il n'y a que le top 1, n'oubliez pas les gars. Les kills rapportent rien, c'est que le top 1 qui rapporte. Un vrai battle royale, les gars. Là. Et ça bug, hein. Waouh. On a un Bouga, on est full mat, encore une fois. On est bientôt en zone. Ah dommage, ils étaient pas ensemble. Ah ouais, dommage. Ils sont 120, 130, oh, 200 en dessous de la Storm, ça. Oh non. Ah, ils vont pas se faire ruiner. Ah, oh, s'ils se font ruiner à cause de la Storm, c'est tellement dommage. 33, ça suffira clairement pas. Hein. Parce que là, la Storm, elle va tomber dans 4 secondes. Ah non, faut surtout pas perdre d'huile bêtement maintenant. Hein. Il faut absolument qu'il garde ses poissons, MXR. Hein. Il faut vraiment garder ses poissons. Hein. Il faut essayer de garder les splashs, les poissons, faut utiliser que des grosses potes. Hein. Parce que ça va sûrement jouer aux poissons ou je sais pas quoi. Allez là. Allez, faut les spam. Ah, ok, ok. Et on met pas de dégâts, hein. 150 sous. 27 au-dessus, c'est bon. Là, faut surtout pas qu'ils mangent aux poissons. Hein. À la limite des mini potes, etc. Je pense que ça peut être le plus intéressant. Ouais, c'est ce qu'il va faire, hein, clairement. Il va mettre voilà. Il va vraiment garder les poissons pour la fin, c'est sûr et certain. Ah, par contre, faut mettre des dégâts, j'avoue. Non, pas le poisson. Ok, ouais. Ah, c'est chaud, hein. Il va claquer le poisson. J'ai peur qu'il claque ce poisson. Ah, ok, bon, ils ont plus la Storm. C'est bon. Ouf. Ils vont pouvoir garder leur heal blanc. Tout simplement pour la fin de zone. Ils sont encore super bien en matériaux, je crois. Ils vont peut-être tenter le high, hein. Y'a personne, je crois, au-dessus. Non, ils vont pas tenter le high. Ah. Ouh, ça veut tenter le high, hein. Il a bien gardé ses poissons, il a bien joué. Il peut clairement le faire. Non, non, oh non, c'est tellement dommage d'avoir pris ce poisson-là. Après, d'un côté, s'il se prend un headshot, tu vois, c'est dommage, mais les poissons, je pense qu'il faut vraiment les garder pour la fin de zone. Hein. Parce que là, on a encore 14 et la zone est toute petite. Ok, il a le high. Ah là, vraiment, là maintenant, faut. Là, il faut qu'il garde le high et surtout qu'il... Ouais, les poissons. Moi, je sais que j'aurais pu tirer les poissons après. Les gars, avec le stress, etc., ça doit tellement être dur. Parce que dites-vous que là, c'est la dernière chance. Genre,
s'ils ne font pas top 1, bah c'est fini pour eux quoi. Hein. Ils vont faire de la viewing sur la grande finale de FN16, donc des fois tu réfléchis pas trop. Mais zéro de maths. J'ai plus d'arcon, Prends les maths, C'est l'RPG en bas, les gars. Y'avait rien. Aïe, ils ont un poisson. Ah, c'est dommage, j'aurais eu les 3 poissons, je pense. Ils auraient pu faire un truc. Mais en vrai, ils sont que 10 encore en bas. Hein. Ça va peut-être pas se jouer au heal. Ils ont pas mal de balles derrière, ça se trouve, ça va juste se jouer. Voilà, tranquillement. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que ça retourne sur les bulles des autres. Du coup, il y a des grandes chances que ça joue au poisson. Parce que bah, quand ça retourne sur les anciens bulles, tu peux facilement te cacher, etc. Ah, du coup, il donne son bleuvageon. Ah, ils vont descendre. Il a pris un petit dégât de zone tranquille. Et ils vont aller slay là. Emixer, ils vont aller slay. Attention, la grosse balle de pompe qui a été mise. Ouh. Et oh, le crack seulement, c'est dommage. La régène. Ah, dommage, il n'y a pas de poisson. Oh là, ça va. 1v1. Ça va peut-être passer, les gars. Attends. Là, les gars, c'est une place en finale. Me dis pas que ça va jouer sur les bleuvageons qu'il a mangé. Il a mangé 2 bleuvageons et mixer. Dis-moi pas que ça va jouer là-dessus. Non, top 2. Ah, la déception doit être grande, non. Allez, le clavier là, qui a pris cher. Oh, il méritait tellement. Ils avaient tellement bien joué. Oh, les pauvres. Ils avaient tellement bien joué. Ils avaient tellement bien joué. Vraiment, je pense qu'Emixer aurait pas dû manger son bleuvageon. C'est ce qui lui a, je pense, peut-être coûté la victoire. Ah, ça doit être dur mentalement, là. N'hésitez pas, les gars, à leur donner de la force sur Twitter, etc. Parce que là, c'est là où joueur pro, ça doit être difficile. Là, dites-vous, c'est 3 semaines d'entraînement. En plus, Emixer a fait toutes les finales. Et c'est fini, tout ça. Waouh. Waouh. Compliqué là. Ça doit être dur mentalement. On va du coup aller voir qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a fait ce top 1. J'espère que c'est un francophone, on n'a pas vu. Et puis on va aller voir ça, les gars. Et du coup, les gars, les premiers, c'est Flicken, Bayon et Aloft. Alors que je ne connais, mais alors vraiment, ce qui s'appelle pas du tout. On va vite faire regarder leur tracker en 2 spi. Bon. Ok, bon, c'est pas des rigolos non plus. 56 000 de PR. Voilà. Flicken, il a combien? 64 000 de PR, 52 000 de PR. Et Loles et ma gueule qui ont fini du coup deuxième. Du coup c'est que le top 1, donc c'est Emixer, après c'était ma gueule. Donc un top 2 de Emixer, un top 3 de ma gueule. C'est triste pour nos francophones, c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'on avait pensé de cette game là, les gars. Et puis c'est dommage, c'est comme ça. Donc très peu de trios francophones, je crois, en grande finale, de leur 4 ou 5. Dommage. Je suis peu hype pour cette grande finale. Il n'y a que le trio d'Andilex, je t'avoue, et le trio de ZQ qui me hype un petit peu. Sinon, voilà. Bref, comme d'habitude, les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, tout ça, vous connaissez. Retrouvez-moi sur Twitch tous les jours. Comme d'habitude, c'était Cocteau. Ciao.